Salut les montagnards, il y a plusieurs manières de faire un mouflage. Dans une précédente vidéo, on vous a expliqué comment faire un mouflage simple. Et aujourd'hui, avec la compagnie des guides des Écrins, on vous explique comment faire un marineur simple. Donc le marineur simple, c'est un type de mouflage particulier qui est plus efficace, on va dire, que le mouflage simple, puisqu'il démultiplie la force que vous allez mettre quand vous tirez votre compagnon, et donc qui vous permet de le soulever plus facilement, même si le mouflage est un petit peu plus complexe à réaliser. On vous explique ça en vidéo, tout de suite, c'est parti. Du coup, là, on est dans une configuration où le mouflage simple, on a peur que ça suffise pas, donc on va faire un marineur simple, d'accord, qui divise le poids de la personne par 5. Pour ça, on a besoin d'un petit bout de cordelette d'au moins 5 mètres. Là, on avait une corde de secours dans le sac de 10 mètres. Donc, on va pouvoir les utiliser. Donc, la personne est là-bas, dans la crevasse. On a installé la tête de mouflage sur notre corps mort. On va installer un bloqueur sur la corde qui est sous tension. Voilà. Ok. Ma corde de secours qui va m'aider à démultiplier, je la fixe sur mon amarrage. Avec un, là j'ai fait un cabestan, on peut faire aussi une queue de vache, d'accord? Ce bout de corde là, à l'extrémité, j'ai fait un nœud, une queue de vache ou un double huit, peu importe, que je passe dans le mousqueton de mon bloqueur. Je ferme la vis. Là, je récupère mes anneaux de buste. Ok. J'utilise un dernier mousqueton pour passer dans ma cordelette et je repasse la corde de mes anneaux de buste dans ce mousqueton. Je verrouille et là je démultiplie par 5 la force que je vais exercer. Et là c'est beaucoup plus facile de remonter la personne. Quand mon mousqueton arrive au contact de la tête de mouflage, c'est comme tout à l'heure, je vais reprendre mon bloqueur et le remonter sur ma corde qui est sous tension. Et je suis de nouveau prêt à remonter ma victime. C'est bon les gars, vous avez vu le même bloqueur que tout à l'heure. Simplement, il nous faut une petite corde de secours ou une cordelette pour mettre en point fixe sur le relais. On vient passer dans le bloqueur. Au bout de la corde de secours là, j'ai fait un petit nœud, queue de vache, double 8, dans lequel je mets mon mousqueton. Et je viens clipper mes anneaux de buste que j'avais sur moi dans ce mousqueton. Et on est prêt à tirer. Ok ? Il est un peu plus complexe, mais il est beaucoup plus efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des Écrins. N'oubliez pas de télécharger vos deux guides. Il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté, 8 courses pour débuter l'alpinisme, et un autre sur le ski de randonnée qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne. Donc ils sont juste en description, juste là. Donc téléchargez-les, ça pourra vous aider. Et puis je vous dis à très vite dans les hauteurs. Abonnez-vous. Ciao, ciao.